C'est un très gros match qui se prépare. Tout le monde en parle depuis plusieurs jours. On revient tout de suite au Groupama Stadium pour suivre ce match. En raison de travaux, les toilettes du niveau inférieur sont aujourd'hui fermées. Pour trouver les toilettes les plus proches de votre siège ou de votre tribune, salut à tous, nous sommes installés dans les tribunes du Groupama Stadium. On est là pour ce classique français. Lyon reçoit Monaco. C'est toujours des matchs fous avec des équipes des grandes modalités. Mais oui, deux des plus grands clubs français face à face. Quand on aime le foot, on vibre pour ça. Le numéro 98, le coup d'envoi de ce match avec l'Olympique Lyonnais. Pour l'OL dans cette rencontre. Oh, il y a une bonne occasion là. Eh oui, le danger qui est écarté. Ah, le pressing paye, ballon récupéré très haut. Et les gros pour le plongeon. Le corner bien tiré. À la parade, mais le danger est toujours présent. Le danger encore présent. Et super arrêt, le danger était réel. Le but semblait tout fait. J'allais même crier goal, goal. Mais c'était sans compter sur le gardien qui nous a sorti un arrêt des grandes classes. Et ce corner est renvoyé par la défense. Henri. Matasso. Ça joue avec Zakaria. Pour prendre l'avantage peut-être. Voilà, tranquille, aucun danger, ballon facile. Et les adversaires pressent. On connaît les qualités de Thierry Henry et il va falloir faire attention à lui dans ce match. Personne n'a oublié son quadruplé au dernier match et sûrement pas le gardien adverse. Zakaria. Henry. Ah, il faut bien négocier ce ballon. Ah, la faute là, ça frôle l'anti-jeu, ça mérite quelque chose. Et l'arbitre brandit le carton jaune sur cette faute. Tout à fait mérité, bien obtenu à mon avis. Et c'est récupéré ça. Une possibilité là pour centrer. Le ballon est dégagé. Et duel remporté en défense. Belle anticipation. L'AS Monaco, un club dont la dernière sortie s'est soldée par une victoire face à l'AS Saint-Etienne. À quoi peut-on s'attendre pour cette rencontre? Leur dernier match à domicile s'est terminé par une victoire avec un festival offensif en prime. Mais ça n'empêche qu'on peut avoir quelques doutes pour la réussite aujourd'hui. Peut-être un bon mouvement offensif pour Monaco. Il faut s'entrer là-dessus. Et ce ballon pour Acuña. Et maintenant Acuña. Et avec l'OL, là qui va récupérer ce ballon. Et ici l'occasion pour mener. Et c'est dedans le premier but du match. Une domination, une récompense au bout. Avec cette ouverture du score, méritée. Et voilà, regardez ça. La passe vient éliminer le défenseur et trouver l'attaquant dans une position idéale. Ensuite,
but, pas de dribble, mais une frappe puissante et précise pour battre le gardien et envoyer le ballon au fond des filets. Et c'est reparti dans cette rencontre, les Lyonnais sont menés d'un but. Anderson, et les voilà en train d'essayer de porter le danger dans le camp adverse. Et il s'en est fallu de peu pour qu'il marque le deuxième but sur cette action. Et c'était sans compter sur le gardien qui anéantit provisoirement ses rêves de doublé. Ça va vers le point de pénalty. Oh, dégagé provisoirement, ballon. Eh ben, le récupérer sur cette bonne intervention. Et pressing sur la relance. Cacré. Et l'heure de la mi-temps approche et il y a cette petite avance dans cette rencontre pour l'équipe en déplacement. On voit des séquences intéressantes, notamment dans la capacité à dominer le ballon. La priorité, c'est de protéger ce but d'avance jusqu'à la mi-temps. Et c'est bien défendu, le ballon est récupéré. Il y a du monde là, quelques possibilités. Ah, la frappe est contrée. Ah, le pressing paye, ballon récupéré très haut. Et le concentre là peut-être. Et but ! Goal, goal, goal ! Son deuxième du match, le doublé, inarrêtable, implacable, quel sens du but! Voilà une action qu'on revoit avec plaisir avec ce centre parfaitement exécuté qui amène bien le danger dans l'axe. Et voilà le cabezazo, la tête qui vient conclure un mouvement très intéressant et envoyer le ballon dans le but. Et voilà, c'est la mi-temps au Groupama Stadium. Le coup d'envoi. Voilà une avance confortable pour l'AS Monaco. C'est le début à l'instant de la deuxième mi-temps. Ouais, Badoki, c'est une bonne progression ça. Oh là là, et cette frappe est complètement dévissée. Elle passe très très loin des poteaux. Loin des poteaux de but, ça c'est clair. En revanche, pour les poteaux de corner, pour le coup, on y est. C'est repris par l'Olympique Lyonnais. La rumeur enflait depuis quelques jours et Chelsea vient de confirmer le bouclage de cette opération. Tout le monde était un peu suspendu à cette décision et pour cette équipe, c'est un rond. C'est un bon ballon ça. Et oui, c'est dedans. Et c'est son troisième but dans ce match. Quelle performance, quel exploit. C'est cruel pour le gardien, mais la vie est cruelle. Il va falloir se mettre d'accord avec sa défense. C'est la reprise dans ce match avec Monaco et son avance confortable. 3 buts d'avance. Ouais, la frappe, ça part bien. Et finalement, pas très dangereux, ce tir capté par le gardien. Attention, Djalet Tatsar. Gros pressing et ballon récupéré très haut. La frappe d'Henri.
Et le gardien laisse filer le ballon en 6 mètres. Le tir n'était pas si loin, mais il a très bien lu la trajectoire. Et l'OL demande le changement. On voit avec ces chiffres, il y a un esprit réaliste dans cette équipe. Les occasions de but sont créées, les buts s'enchaînent, c'est ce qu'il faut faire. Le ballon en touche. Jordan Verret. Wilfried Zaha. Zakaria, la bonne récupération. Henri. Et c'est pour le gardien, malgré la pression. Bon positionnement, le ballon est récupéré. La grosse opportunité, attention. Quel tir puissant, mais le but n'est pas au rendez-vous. Sacré gâchis, hein, parce que manquer la cible à si près du but, c'est peut-être plus difficile encore. Voilà, ça gagne pas, mais ça débarrasse. Un peu de coaching avec ce changement. Anderson, Minamino, Henri, bien parti dans le dos, à l'arrêt du gardien, mais ce n'est pas terminé. Et ce ballon pour Acuña. Très bonne intervention dans la surface. Marcos Acuña avec la balle. Henri. Tirer là. Goal, 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 goal. Et encore un, et ce but vient alourdir un peu plus le score. Plus 4 au tableau d'affichage. Et on revoit ce bon centre en retrait. Il est donné dans le bout de pour tromper la défense. Et pour finir un ballon à quelques mètres de but, il n'y a plus qu'à la pousser pour marquer. Ah, le score est donc de 4 buts à 0. Le coup de sifflet en faveur de l'OL. Et voilà, le changement s'effectue. Le numéro 13, Thilo Kehrer. Pour le remplacer, le numéro 22, Mohamed Salissou. Et c'est bien défendu, le ballon est récupéré. Et l'équipe peut jouer le contre. Et le face-à-face à venir. Ah, c'était bien joué, il n'y a pas grand-chose vraiment à leur reprocher sur ce contre. Peut-être une petite crise de lucidité à la conclusion. Changement demandé côté lyonnais. C'est une bonne progression, ça, balle au pied. Et il y a un peu d'espace dans l'axe. La frappe a beau être relativement proche du but, c'est sans danger. Effectivement, et ça sort aussi même. Et nous jouerons au minimum 3 minutes supplémentaires. Minamino. Ah non, c'est un ballon perdu par l'Olympique lyonnais.
saisie, c'est ça. Ah, le pressing paye, ballon récupéré très haut. Et les noms pour le plongeon. Évidemment, aujourd'hui, c'est son nom qui attire l'attention. Il faut dire que son triplé lors du dernier match a marqué les esprits. On va voir ça ensemble tout de suite. Atmosphère de grand match dans ce stade. C'est vraiment un plaisir de se retrouver aussi nombreux pour ce genre d'affiche. Benjamin Da Silva donc et Omar Da Fonseca dans la cabine de commentateurs pour vous faire vivre ce match. Et au programme, ce feuilleton qu'on aime retrouver, la Ligue 1 avec cette rencontre, l'AS Monaco contre le RC Lens. L'aventure a bien commencé pour l'AS Monaco. C'est même encore mieux que ce qu'on avait imaginé. Avec ce démarrage, le futur se rêve. Henri, le stade réclame une frappe. Le ballon qui est perdu. Oh, le tir de loin. Mais non, c'est finalement tranquille là pour le gardien. Adrien Thomasson. On connaît les qualités de Thierry Henry et il va falloir faire attention à lui dans ce match. Son hat-trick lors du dernier match, tout le monde se souvient évidemment. L'occasion de prendre l'avantage. Sans aucun effort pour le gardien. Elliot Matasso. Henry. Et bien donné en profondeur. Peut-être. Attention, c'est pas fini. Le poteau renvoie le ballon.
décalage dans la zone dangereuse. Et cette action s'arrête là. Bon pressing, très bonne récupération. À une occasion en or. Bonne intervention pour éloigner le danger. Le gardien qui a réussi à garder le score nul dans ce match, mais ce n'est pas fini. Un peu de liberté pour les 100 et or sur l'aile. Ah, c'est un bon pressing qui permet de récupérer. Le ballon va échouer sa trajectoire très loin du but adverse, ça passe donc largement à côté. L'appui, la direction, il n'y a rien qui va dans cette frappe. Ah dommage, ballon perdu. Jimmy Cabot. Ah, le ballon est perdu, fin de l'intervention. Peut-être un bon mouvement offensif pour Monaco. Ouais, c'est bien joué, quelle claquette! Ouais, c'est un corner bien joué, bien frappé. Le corner ne donne rien, ballon renvoyé par les défenseurs. Thomasson. Allez, pas le pied, il faut prendre un risque maintenant. Un bon ballon là, donné dans l'espace. Bien reçu dans toute la défense. Et oui, un ballon bien maîtrisé par le gardien. Zakaria. Akliouche. Henri. La défense est battue. Et c'est réussi, ce but pour prendre les devants. Ce but qui fait du bien moralement. C'est une situation idéale. La sérénité, la tranquillité, le calme, la paix. Alors que tout autour, c'est l'agitation, la pression. C'est très fort de faire ça. Et avec cette ouverture du score, le match se débloque. Et voilà, donc l'arbitre qui vient de siffler la mi-temps. Lens est toujours mené au score d'un but, le début de la deuxième mi-temps. Un face-à-face à négocier. Et le gardien qui écarte bien le danger. Ce sauvetage maintient son équipe. Attention à cette occasion. Et but, mais... coup de sifflet pour une position de hors-jeu apparemment. But annulé pour un angle un peu long ou peut-être à la mèche des cheveux qui dépasse. Ce ballon est perdu et ils vont pouvoir se projeter en attaque. Voilà, pour essayer de faire quelque chose de ce ballon. Parade, oui, du gardien. Ça va vers le point de pénalty. Et ce corner est renvoyé par la défense. Un petit point mercato avec un défenseur espagnol. On a entendu cette info un petit peu partout. C'est maintenant officiel. José Gaya a signé à Manchester United. C'est la fin du feuilleton. C'est un report très important pour cette équipe. On a hâte de voir tout ça. Les Lensois qui obtiennent donc le corner et pourquoi pas l'égalisation aussi. Elle vient tirer dans la surface. Attention, le danger est toujours là. Thomasson à la réception. Pas de faute, c'est bien défendu.
Il y a de l'espace là pour Thierry Henry. Il le concentre là peut-être. Il y a peut-être quelque chose sur ce ballon. Frappe contrée, le danger est toujours présent. Bonne intervention pour stopper l'attaque. Et voilà une bonne option de contre-attaque. Adrien Thomasson. L'attaque n'ira pas plus loin. Très bonne lecture du jeu. Ah, le ballon intéressant. Oh, Thierry Henry, l'icône d'Arsenal qui expédie ce ballon dans les filets. La contre-attaque, c'est le football du vertige. Regardez, on a l'impression que le terrain penche tellement ça va vite là-dessus. Ensuite, à cette distance, pas mal d'options possibles. La frappe en force, c'est la garantie de surprendre le gardien et ça donne aussi des beaux ralentis. Et avec ce but inscrit, ça fait maintenant 2-0. Bien parti dans le dos. Ouh, le but, un troisième but d'écart. Leur domination est écrasante. Si on regarde à nouveau ce but, la course est bien tranchante. Elle crée des différences dès le départ. La finition est aussi très bien exécutée. Pour moi, le problème, c'est la présence défensive insuffisante. C'est reparti dans ce match avec l'ASM qui a creusé un écart. Troisième but d'avance. La frappe d'Henry. Ah, le danger bien repoussé par le gardien. Ballon en corner. Alors, l'arrêt de jeu pour réaliser un changement. Le corner. Un peu trop sur le gardien qui s'en saisit sans problème. El Ainaoui. Frankowski. Ah, il y a un contre à jouer maintenant. Le ballon pour Thomasson. Ah, il faut revenir en défense sur ce contre. Oui, il faut frapper maintenant. Superbe parade, extraordinaire. Oui, tout le monde s'attendait au but sur cette tête. Et changement pour les deux équipes. Corner. Ah, pas évident à dégoncer ce corner, mais le gardien s'en sort très bien et capte le ballon. Ballon rendu à l'adversaire. Excellente inspiration avec ce ballon. On écarte le jeu pour créer un décalage sur l'aile. Il y a danger là. Intervention du gardien. Elle lance là, se tourne vers son banc. Oui, à deux, c'est bien fait. Le ballon vers Facundo Medina. Oui, bien défendu. Et pourquoi pas une contre-attaque là. Un face à face à négocier. Et oui, c'est dedans. Voilà le but du hat-trick. C'est fait. Formidable performance. Et quel moment inoubliable. Le contre, c'est aussi très beau à regarder. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est la vitesse d'exécution et la volonté de prendre tout de suite la profondeur. Mais on ne peut pas toujours finir avec la dentelle. Parfois, tu as le droit de finir avec le tambour, les trompettes et un zapatazo.
Israël avance, est encore plus confortable et ça semble presque impossible d'imaginer un retour de l'adversaire. Et oui, c'est dangereux. Ballon reçu dans l'espace. Allez, et encore un nouveau but. Quelle punition! Quelle était dangereuse cette passe. Vous voyez, la passe est vers l'avant. C'est elle qui vient casser les lignes. Et regardez, la pression défensive s'accentue. Et pourtant, il arrive à tenir tout le monde à distance et à déclencher. Un match très facile. Le score est maintenant de 5 buts à 0. Encore 4 minutes de temps additionnel à jouer au minimum. Et le ballon vers la surface de réparation. Attention là, le danger est toujours présent. À l'occasion peut-être ici. C'est terminé, l'arbitre siffle la fin du temps réglementaire et c'est fait. Donc pour Monaco avec 3 points de plus. Déjà 3 victoires en 3 matchs. Elles sont capables de tout, surtout du meilleur. Thierry Henry, quel match du début à la fin. Il a été absolument exceptionnel. Quel cran. Poésie, magie, romantisme, il y a tout dans sa performance du jour. Son aisance, sa fluidité, son intelligence a mené son équipe à la victoire. La défense est battue. Et c'est réussi ce but pour prendre les devants, ce but qui fait du bien moralement.